l'Europe d'unité. C'est tout. C'est l'unité africaine qu'il faut valoriser davantage. Restons humains dans ce cas de figure-là. Alors, Lafune, on est pressé également de te poser cette question-là. Mm-hmm. Après cet amour que tu as toujours prouvé aux Sénégalais, à l'Afrique, peux-tu nous parler un peu de ta setlist que tu as préparée pour le concert? Alors, dans ma setlist, pour mon concert, il y aura bien entendu déjà tous les grands classiques qui ont fait de moi Lafune. Toutes les chansons que les gens aiment, de D'où l'on vient, à Ça fait mal, à Qui peut me stopper, à L'unité, à Meilleur, à Alhamdoulilah ça va, à Reste en chien, à Ça fait mal. Bref, on va jouer tous les classiques quand je partirai. On va vraiment s'enjailler. On sait quand ça va commencer, on ne sait pas quand ça va finir, parce que je vais tout donner. Et je suis pressé de m'amuser avec vous, franchement. Le Sénégal, ça m'a manqué. Voilà, j'ai envie d'aller sur la pointe des Almadies et manger un bon plat. Je me rappelle que les filles qui me trouvaient jolie disaient que j'étais un tiof de luxe. Mais la fine, les termes ont changé. Donc, on va vous appeler un bon pain. Un bon pain. Ah. Le pain croustillant. Le pain croustillant. Ben, le fait qu'il fait croyum, tu connais. Croyum. Mais la fine, que penses-tu de la musique sénégalaise, plus particulièrement du rap, hein, du rap. Est-ce que vous êtes prêts le jour du concert, faire des collaborations avec des rappeurs sénégalais? Est-ce qu'il y aura des surprises, quoi? Déjà, j'envoie des messages déjà à toute la jeunesse sénégalaise. Déjà, bien sûr qu'il y aura des collaborations, que tous les rappeurs du Sénégal qui ont fait leur preuve et qui ont du talent, venez me parler en DM. Il faut qu'on organise des connexions. Il faut qu'on fasse cette musique ensemble. Et aussi, j'ai décidé que j'allais pas venir avec mes musiciens. Il faut que je prenne des musiciens sénégalais derrière moi. Il faut que tous les musiciens sénégalais. Donc, on va aussi faire ça, on va lancer ça, comme ça je vais leur envoyer les musiques qu'ils doivent apprendre, comme ça ils vont apprendre, comme ça déjà ils auront un travail pour la soirée, je les embauche, et en plus on va faire avancer la musique sénégalaise avec nous sur scène. Bien sûr que la nouvelle jeunesse sénégalaise, ça me ferait plaisir de les voir à mon